Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, avec les téléspectateurs de KTO, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les trois visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit : Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit ? Le Seigneur déclara : Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Abraham répondit : J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville ? Il déclara : Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista : Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara : Pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara : Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors : J'ose enfin parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara : Pour 20, je ne détruirai pas. Il dit : Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara : Pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. » Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis,
même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Magnifique passage de l'Évangile aujourd'hui où Jésus prend le temps d'apprendre à ses disciples à prier. En effet, la prière n'est pas simplement chose naturelle, elle est de facto surnaturelle puisqu'elle s'adresse à Dieu et nous avons besoin de l'apprendre et qui mieux que Jésus peut nous apprendre à prier. Et nous le savons, la prière qu'il va donner à ses disciples est si importante que nous la reprenons chaque jour dans la messe ou dans les offices ou dans la prière personnelle, cette prière du Notre Père qui nous vient de Jésus directement. Je voudrais avec vous regardez trois attitudes que semble nécessiter la récitation du Notre Père. La première, c'est l'attitude d'indigence. Peut-être l'avez-vous noté, mais la prière du Notre Père n'est faite que de demandes, de requêtes. Il n'y a pas dans la prière du Notre Père de louanges, d'actions de grâce. Il y a vraiment cinq requêtes ici dans le Notre Père rapporté par l'Évangile de Luc, sept habituellement dans celle de Matthieu que la liturgie reprend. Et de fait, Jésus va insister ensuite, quand il raconte cette petite histoire de l'ami importun, il va insister sur le fait qu'il faut frapper, il faut chercher, il faut demander. C'est étonnant que Jésus insiste sur cet aspect de la prière, d'autant plus quand on sait que beaucoup de chrétiens se plaignent souvent de n'avoir qu'une prière de demande. Souvent, nous avons ça, nous autres prêtres, des chrétiens qui nous disent « En fait, je ne prie que pour demander, je ne sais pas faire autre chose que de demander », comme si la requête, la demande, était de prière moins noble qu'une prière de louange ou une prière d'action de grâce ou une prière de pardon. Eh ben non, Jésus veut faire de la prière humaine fondamentalement, structurellement une requête. Pourquoi ? Parce que celui qui demande reconnaît qu'il ne peut pas obtenir par lui-même et qu'il a besoin de Dieu. L'indigence. Si Jésus nous donne une prière de requête, c'est pour que nous creusions notre certitude que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous demandons et qu'il nous faut donc la puissance d'un Dieu qui vient, lui, nous obtenir ce que nous demandons. Ainsi donc, la prière que Jésus nous donne nécessite d'abord cette attitude d'indigence. Je suis pauvre, et c'est parce que je suis pauvre que je demande la richesse de Dieu, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne.
Donne-nous ce pain de chaque jour, pardonne-nous nos péchés. C'est parce que je suis indigent que j'ai besoin que Dieu vienne enrichir ma vie. La première attitude d'indigence qui mène à la vertu d'humilité. Il y a une deuxième attitude qui est donnée par le Notre Père et qui est illustrée par la première lecture, la prière d'Abraham. C'est l'attitude d'audace. Prier, ça nécessite l'audace de la prière. Voyez-vous, rappelez-vous Abraham qui veut demander absolument que Sodome ne soit pas détruite si facilement et qu'il y aurait 50 justes, puis 45, puis 40. Nous avons vu cette négociation, nous l'avons entendue, cette négociation un peu à l'oriental. On est quasiment dans les souks, ça négocie entre Abraham et Dieu. Et peut-être précisément Abraham a-t-il manqué d'audace parce qu'il s'est arrêté à 10. Il y aurait 10 justes. Il s'arrête là, vous l'avez entendu. Or, nous savons, pour Dieu, un seul juste suffit pour qu'il soit pardonné à tous. Et ce juste, c'est son fils Jésus. Peut-être Abraham a-t-il manqué d'audace. Et en tout cas, nous-mêmes, lorsque nous prions le Notre Père, nous ne manquons pas d'audace. Demandez à Dieu que sa volonté se fasse, demandez à Dieu ce pain de chaque jour, demandez à Dieu ce pardon, demandez à Dieu qu'il nous maintienne en dehors de la tentation, qu'il nous délivre du mal. Voilà une prière d'audace. Deuxième attitude de la prière, soyons audacieux dans nos requêtes. Pourquoi ? Parce que l'attitude d'audace, elle, nous donne la vertu de la foi. Croyons-nous vraiment que nous pouvons obtenir ce que nous demandons. Là aussi, Jésus insiste dans cette petite parabole de l'ami importun. Frappez, 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 on vous ouvrira. Voilà la deuxième attitude de notre prière. L'humilité d'abord, l'indigence, et puis l'audace, celle de la foi. Et puis enfin, il y a une troisième attitude qui est peut-être la plus subtile. Quelle attitude que j'appellerais l'attitude de l'ajustement à Dieu. Pourquoi ? Parce que, à bien y penser, le Notre Père est fait de prières, de demandes, de requêtes qui ne sont pas les nôtres. Finalement, Jésus nous dit, voilà ce qu'il faut que vous demandiez. Mais nous-mêmes, nous serions heureux de savoir par nous-mêmes ce que nous avons à demander. Avons-nous besoin de Jésus pour savoir ce dont nous avons besoin ? Et pourtant, le Notre Père, ce sont des requêtes données par Jésus, données par Dieu donc, pour nous adresser à Dieu. Nous pourrions nous dire, voilà que nous sommes comme trompés dans cette histoire. Est-ce que ce sont des choses que j'ai envie de demander à Dieu qui sont ici ? Ben précisément, le Notre Père nous apprend à creuser un juste désir. Vous l'avez peut-être noté à la fin de l'Évangile, quand Jésus termine cette petite parabole, il dit « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il, pas ce qu'on demande, mais donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et le Notre Père, il nous apprend à creuser un juste désir dans notre cœur, à nous ajuster à Dieu. Nous avons trop souvent une prière qui est une prière de caprice, qui est une prière d'opinion. Et petit à petit, Jésus, lui, nous apprend à faire les justes requêtes. Et ces justes requêtes, elles nous permettront de recevoir bien plus grand que ce que nous aurions demandé si nous n'avions pas eu le Notre Père. Voilà cette attitude d'ajustement à Dieu, et là, qui nous donne cette véritable vertu de la sainteté. C'est la sainteté, au fond, que nous demandons. Alors, quand nous allons dorénavant prier le Notre Père, comme nous le ferons tout à l'heure, et la liturgie nous rappelle à chaque fois, comme le Seigneur lui-même nous l'a appris, quand nous prierons ce Notre Père aujourd'hui et à jamais, puissions-nous être comme marqués intérieurement par cette triple attitude, l'attitude d'indigence qui donne la vertu d'humilité, l'attitude d'audace qui donne la vertu de foi, et l'attitude d'ajustement qui nous permet une vraie sainteté. Amen.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie par la souffrance de la croix. Il nous a délivrés de la mort éternelle.
Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes serviteurs Paul et sa famille, d'Olga Verstuk, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement le mot.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Christmas.